Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard. Je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires en pleine pandémie et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assieds-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 20e épisode d'Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, 20e épisode, 20 avril, quel adon, c'est débile. Salut Tristan, comment ça va? Ça va toi? Ah ça va, c'est vraiment excitant de savoir qu'on est le 20 avril et que c'est le 20e épisode. C'est le 20e épisode, mais ce qui est pas excitant, c'est que là pour la première fois depuis une couple de semaines, il fait pas super beau dehors. Hein. C'est vrai. C'est le soleil qui est avec nous autres, puis là cette semaine, on n'a pas réussi à garder le cap là-dessus. Ben. À matin, il faisait pas bien beau. Là, il fait quand même pas pire soleil. Sauf qu'il annonce de la neige demain. Ça, c'est un peu débuzzé. Ouais, ouais. Ça, je pense que c'est la pire nouvelle de la semaine. Là. Ouais, c'est effectivement. En tout cas, tant que vendredi, il fait beau, là, parce que je mange au gars. Wow. Je te le souhaite parce que jouer au golf dans la neige avec des bottes de ski, c'est pas extraordinaire. Moins plaisant. Moins plaisant, c'est clair. Yes. Fait que cool. Je vais juste dire nos plateformes au début, comme on fait à l'habitude là, pour ceux qui veulent nous suivre. Donc, on est sur Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts et sur YouTube, donc toujours entre deux martinis. Ceux qui nous suivent, vous avez peut-être remarqué que la semaine dernière, on a changé l'image de la publication Facebook. On a mis un carré jaune, ça faisait vraiment plus printanier. Fait que là, c'est sûr qu'avec la neige, on peut regarder tourner avec le gris, mais... mais non, on va laisser le carré jaune pour un petit bout de temps. Ça fait festif, on trouvait. Puis, notre page Facebook, Entre deux martinis, notre compte Twitter, @2martinis en lettres. Puis, pour nous écrire, pour poser des questions, de suggérer des sujets, ou pour si vous voulez venir, dans le fond, participer, c'est Entre deux martinis, tout en lettres, @gmail.com. Yes. Yes. Fait qu'aujourd'hui, j'ai une nouveauté exceptionnelle. Ah oui, c'est vrai, pour le martini. En termes de martini, wow. Ah oui, je me suis réveillé samedi matin, puis j'ai pensé à ça, puis là, je me suis dit, il faut absolument que j'essaye ça. Puis je me suis dit, je vais faire le test avant l'enregistrement du podcast, parce que d'un coup que c'est dégueulasse, j'ai comme pas le goût de passer une heure à boire une affaire que j'aime pas. Non, puis surtout de défendre pendant des semaines après ça ton choix, que tout le monde va avoir voulu essayer, et que c'était pas très concluant. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais je l'explique rapidement. En fait, je suis allé, j'appelle ça le Spicy Teeny. Oh! Martini épicé. En plus, tu as pensé à un non-marketing pour ton martini. C'est incroyable. Ouais, wow. Ouais. En fait, ce que c'est, c'est pas trop compliqué, le nom le dit pas mal. En fait, c'est que c'est un bon vieux Dirty Martini, comme d'habitude. J'ai été avec le gin Saint-Laurent parce que avec ce que j'allais rajouter dedans, je me disais que peut-être le petit côté iodé allait un peu m'aider ma cause. Donc, gin Saint-Laurent, du vermouth dry extra sec, et puis jus d'olive de riche cette fois encore. Et la touche, j'ai mis un peu de jus de piment banane. Tu sais, les piments piquants, là, genre en pot. Banane. Ben, les piments, les rondelles de piment, là, qu'il y a ça chez Subway, il y a ouais, ça partout. Ouais, ça s'appelle des piments bananes. Il me semble que c'est ça, ouais. Ah, mon Dieu, OK. En plus, je vais me coucher moins niaiseux. Excellent. Ouais, de marque nos compliments. Ils viennent pas du Costco, ceux-là. Non, pas ceux-là. Fait okay. Mais. Juste une petite touche, là, pas trop, juste un petit peu, juste pour donner un petit kick épicé. Puis sérieusement, ça le fait. Il y a le petit goût épicé, c'est pas trop fort, puis c'est vraiment bon. Ça brûle pas trop, là. Parce que des fois, écoute, quand tu me dis ça, je pense à des fois où je me suis fait servir des Bloody Caesar, là, puis ça n'a aucun rapport avec les martinis puis les Dirty Martinis, mais tu sais, là, qui sont allés un petit peu trop fort, là, sur le... Un peu trop de tabasco. Ah, hein. Ouais, ben tu sais, c'est sûr, il y a tout le temps des différents degrés de dosage de piquant, là, tout le monde a sa propre tolérance à l'épicé. Moi, je
je me considère pas peu tolérant, mais ça, non, c'est pas... tu sais, ça me brûle pas à l'angle. T'es-tu un gars qui aime l'épicé, genre tu mets du Frank's Red Hot dans tout ce que tu manges, déjeuner, dîner, souper, ou... Ouais, pas mal. Mais Ben, pas tout le temps, mais ouais, puis même du Tabasco, quand même pas mal, puis j'aime pas mal les sauces fortes. Mais tu sais, comme, mettons, des fois, c'est très épicé, ça pique la langue, ça veut pas dire que j'aime pas ça. Là, ça pique pas vraiment la langue, tu sais, ça donne juste un petit kick épicé, un peu comme un bloody bien dosé, mettons. OK, puis c'est, tu sais, l'important, c'est toujours la mesure. Ça donne-tu le goût d'en boire un deuxième tout de suite après? Non, mais ça, c'est comme n'importe quel martini, c'est rare, t'enclenches deux, un back-to-back. Ouais, parce que si t'enclenches deux, tu vas clencher dans ton lit après. Hein. Exactement ça, fait que je seulement qu'un, comme apéro, avant de rentrer dans la bière. Mais ouais, dans un 5, en tout cas, je te dis, si un jour j'ouvre un resto, je te garantis qu'il y a du spicy teeny sur le menu. Excellent. Mais tu vois, ça me donne le goût d'essayer, puis je me promets de le faire. Premièrement, ça. Mais deuxièmement, je me souviens d'avoir déjà acheté des olives, mais justement que la c'est pas la marinade, là, comment on appelle ça déjà? La saumure. La saumure, exactement. Elle est épicée. J'ai déjà mangé des olives en saumure épicée. D'après moi, ça doit pas pire à essayer aussi dans un restaurant. Ça doit le faire aussi. Ouais. Mais en fait, c'est que j'ai mis aussi du jus d'olive. Ouais, de riche, on s'en rappelle, tu l'as dit. Man, elles sont tellement bonnes, ces olives. Yes. Débile. Très cool. Écoute, moi, je donnerai pas ma critique ou mon appréciation du produit aujourd'hui, mais j'ai acheté un nouveau gin en fin de semaine. Puis quand même un gin, là, je suis allé dans le très connu de par sa notoriété et de par un peu l'engouement qu'il y a autour de cette marque-là depuis quelques années. Mais j'ai acheté le gin du pied de cochon, en fait, qui est le gin mononcle, parce qu'il y a deux versions. Là. Ils ont fait le gin ma tante, puis ils ont fait le gin mononcle. Puis moi, en fin de semaine, j'ai acheté le gin mononcle, qui, un peu par définition, puis eux-mêmes amènent dans la définition, qui a vraiment un goût un peu plus, tu sais, forêt, épinette, puis tout ça. Donc, puis vraiment le goût qui, je peux le dire, parce que je l'ai essayé, tu sais, je pense que tout bon connaisseur de Martini, je pense que tu le disais la semaine dernière à juste titre, tout bon connaisseur de Martini teste son gin straight avant de le mettre dans son Martini. Pas le choix. Donc, tu sais, en le testant vraiment, là, puis l'épinette ressort beaucoup. Puis moi, j'adore ça, là, quand ça a des goûts comme ça, de plus sapiné. Je suis un gros fan. T'aimerais le Wabasso? Oui, c'est celui que tu parles. Ouais, c'est ça. Quand tu avais dit ça l'autre fois, c'est exactement ce que je disais. Là, ça me parle beaucoup. Donc, le gin mononcle a vraiment cette saveur-là très prononcée. Puis là, aujourd'hui, je l'ai dans mon martini. Puis, c'est ça, je le déguste tranquillement aujourd'hui, puis je vais vous donner mon appréciation la semaine prochaine. Mais ouais, le gin mononcle, beau produit. J'ai été surpris, tu sais, j'étais un petit peu, je sais pas frileux, mais hésitant, en tout cas, je pourrais dire, là, à l'acheter, justement, parce que tu sais, c'est pied de cochon, c'est très commercial, mais en même temps artisanal un peu. Mais tu sais, par la force des choses, ils sont rendus très commercial avec ça. Mais non, super satisfait. Puis, bien hâte de parler de ça la semaine prochaine. Je vais voir, je vais peut-être y essayer une twist cette semaine avec du jus d'olive épicé. Avec ton idée, là, ça fait du chemin. Fait du chemin dans ma tête là, qu'on fasse ça, là, qu'on joue en équipe un peu là-dessus. Ouais, mais attends, c'est ce que j'allais dire. Tu ne partageras pas ta recette. T'es pas vraiment un joueur d'équipe. Ah, mais là, hey, pour la première fois. Tu m'as fait une passe sur la palette. Ah, oui. J'ai scoré après. Tao! Extraordinaire. On continue de perfectionner notre art. On fait une belle équipe. Oui. Merveilleuse transition. Merveilleuse transition. Yes. Fait que, ben, ouais, c'est ça, là. Si vous avez bien compris, aujourd'hui, on va parler de l'esprit d'équipe. Comme dans toutes les sphères, là, soit au bureau ou dans la vie ou quoi que ce soit. Là. Donc, je pense que Tristan, t'as beaucoup de choses à dire là-dessus. Oui, mais tu sais, je pense qu'on va beaucoup appliquer. L'idée aujourd'hui, c'est d'appliquer ça dans l'optique du travail, mais d'amener justement des corrélations un peu sportives puis un peu de la vie de tous les jours autour de ça. Mais pas mal de sujets qu'on a parlé dans les dernières semaines depuis qu'on a commencé à faire ce podcast-là, tu sais, c'est beaucoup la situation de la dernière année, des 13 derniers mois qui nous amène à réfléchir un peu à plein de contextes au niveau du travail. Tu sais, l'esprit d'équipe en temps de pandémie, j'imagine que c'est, tu sais, on peut s'imaginer, on est en droit de penser que c'est vraiment différent. Les gens sont plus ensemble, sont à distance, télétravail oblige.
et tout ça. Bon, mais je voulais quand même revisiter un peu ce concept-là de l'esprit d'équipe, les bons exemples. J'ai vraiment. J'étais curieux, en fait. Ça l'a aussi nourri une certaine curiosité de mon côté à voir les bonnes pratiques, les gens qui ont fait des choses exceptionnelles en termes d'esprit d'équipe dans leur entreprise, tout ça. Fait que, non, je pense que c'est un sujet intéressant. Puis en fait, la première question, je pense, c'est de te demander. Toi, tu te considères-tu comme un joueur d'équipe, un team player dans une entreprise ou t'es plus individuel? Puis juste parenthèse, mettre ça à part, je pense qu'il y a du positif dans les deux. T'sais, puis y a, dans une équipe sportive, pour faire une analogie, t'as besoin de bons joueurs d'équipe, mais t'as besoin aussi de talents individuels qui sont un petit peu plus égocentriques, mais qui amènent vraiment des résultats aussi de par la nature de leur comportement. Ouais. C'est une bonne question, en fait. Je sais pas. Comme ça dépend. Tu sais, là, c'est sûr, en ce moment, je suis tout seul, fait que c'est un peu dur d'être joueur d'équipe. Oui, c'est ça, mais c'est quand j'étais en entreprise. Mais quand j'étais en entreprise, tu sais, souvent, j'étais d'invente. Fait que je te dirais que ce qui était important pour moi, c'était mes chiffres, puis de faire mes objectifs. Et tout, fait que j'ai toujours été, tu sais, dans ce sens-là, je te dirais peut-être un peu moins joueur d'équipe. Tu sais, c'est sûr que si mettons un collègue a besoin d'aide ou quoi que ce soit, tu sais, oui, je vais l'aider là, c'est ça, mais tu sais, j'irais pas, je sais pas en fait. C'est une grosse question là, je pense. Je te dirais plus non que oui dans le contexte de travail en tant que vente là, ou représentant, parce que je pense que il y a une certaine individualité, quoique j'ai déjà été aussi dans une compagnie où est-ce que les ventes, il y avait un bonus comme à la fin du mois trimestriel, c'était un pool de ventes, fait que toutes les reps avaient un objectif à faire, puis c'était un objectif comme commerce, tu veux. Là. OK, puis c'est ce qui attribuait si oui ou non il allait avoir un bonus qui allait être distribué. Ouais, c'est ça. Mais il y avait une portion, parce qu'il y avait deux équipes, en fait. Il y a une équipe qui s'occupait des comptes plus majeurs, mettons, puis il y a l'équipe des comptes commerciaux. Puis dans l'équipe des comptes commerciaux, on avait une partie individuelle, une partie d'équipe, mais dans les comptes majeurs, c'était que d'équipe. J'ai un peu de misère avec ça, moi, ces choses-là. Ça, c'est un peu comme les travaux à l'université, je trouvais. Tu sais, t'en as tout le temps un ou deux qui se laissent traîner par le reste. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Je... Tu trouvais que ça encourageait à peu près le même comportement ou que ça générait les mêmes... Un peu, ouais. OK. Puis je trouvais que tu peux topper aussi, comme le moment donné. Fait que non, tu sais, je te dirais d'invente, je trouve ça un peu plus dur d'être... comme à part aider un collègue, tu sais, c'est dur, je pense. À moins que tu aies vraiment des bons exemples, là, mais c'est moi, je considère pas que t'invente comme tel. J'ai été un joueur d'équipe hors pair, tu sais. J'étais un très bon scoreur qui mangeait à poc. Ouais, mais tu sais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que, dans le fond, je l'avais... C'est le fun qu'on s'en parle, tu sais, j'avais plein de notes, mais... Ça m'amène à réfléchir à. Tu sais, il y a clairement quelque chose qui est du ressort de la culture d'entreprise, je pense, dans l'esprit d'équipe. Ouais. Parce que, tu sais, certaines cultures d'entreprise vont favoriser le travail d'équipe. Moi, j'ai été devant beaucoup d'entreprises, ou en tout cas, j'ai été en lien avec beaucoup d'entreprises qui faisaient ça, qui mettaient l'objectif commun au-delà des objectifs individuels. Puis j'ai vu du bon comme j'ai vu du mauvais. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que peu importe si une personne est ou non une personne qui a un plus un esprit d'équipe ou non, qui est plus individualiste ou collective en termes d'attitude, ça va souvent... La personne va rentrer dans l'entreprise puis sa façon d'agir va beaucoup être guidée par la culture justement de l'entreprise au niveau des méthodes de la rémunération, des bonus, comment c'est attribué, tout ça. Fait que c'est intéressant parce que tu sais, tu peux être le pire joueur... puis pire dans le sens, là, le plus individualiste du monde qui pense à personne, qui a ses œillères de cheval, qui pense juste à ses chiffres, à son bonus à la fin du mois, puis moi. Mais rentrer dans un organigramme, dans une organisation où le travail d'équipe est tellement mis au devant de tout, je pense qu'à un moment donné, tu n'as peut-être pas le choix de te laisser embarquer dans cette vague-là, ça se peut-tu? Ben oui, mais tu sais, c'est ça, ça dépend. Là. C'est sûr que des fois, mettons, exemple, j'étais dans, tu sais, je vendais de la pub, mettons... Sur de l'affichage, exemple. Puis j'avais besoin que... Tu sais,
il y a plus qu'un département d'impliqué, tu sais, il y a un département de production créatif, mettons. Fait que, tu sais, oui, tu travailles en équipe avec eux pour brainstormer sur des idées puis ces affaires-là. Mais je pense au niveau des ventes, tu sais, j'ai pas été dans aucune compagnie où est-ce que le département des ventes, tu sais, à part de ce que je t'ai dit tantôt, là, qu'il y avait un pool commun, je pense que moi, dans mon équipe, en tout cas, c'était ultra compétitif, là. Tu sais, puis même, je me reporte à quand je travaillais dans un centre d'achat, puis que j'étais dans ventes, puis qu'on avait des commissions. Hey, oublie ça, là, c'était requin ben raide, là. Le premier, tu sais, dans le fond, ça marchait que, genre, le premier qui disait salut au client qui rentre dans le magasin, c'était son client, tu sais. Ouais. Tu voyais quelqu'un qui faisait semblant de mettre le pas dans le magasin. Hey, salut! tu te jetais dessus comme un misère, tout le monde. Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, pis c'est arrivé plein de fois, là, des petites justinades, là. Hey, c'est moi qui ai dit salut en premier. Ah, mon Dieu, pour la petite commission sur la vente à la fin. Mais c'est ça, tu sais. C'est sûr, dans ce temps-là, oui, tu sais. Pis t'es extrêmement jugé sur les résultats que tu amènes aussi, sur le panier moyen, tu sais, que tu fais, là. Je me rappelle, c'était des. Comment qu'ils appelaient ça? Des IPS, là, item per sales. Ouais. C'est pas le même, là. Ouais, fallait que tu augmentes le nombre d'items que tu vendais. Tu sais, je travaillais dans une boutique de souliers, puis genre, le Nirvana, c'était de vendre une paire de choses avec le Tana qui allait avec pour les protéger. Ouais. Puis une paire de bas. Si tu vendais une paire de bas, trois items dans la transaction, t'es un héros. Là. Ouais. Puis ça avait pas. Mais ça, c'est intéressant, par exemple. Là, je fais vraiment. C'est un autre aparté. Il y a des entreprises qui calculent les items par transaction ou le dollar par transaction. Clairement, dans le cas qui vous concerne, c'était pas mal plus avantageux de calculer justement les items parce que quelqu'un achète une paire de bas puis l'affaire est ketchup, là. Non, c'est ça, exact. À deux tout de suite, là. Tandis que le dollar était peut-être pas si important. Si quelqu'un t'achète une paire de gogoons puis des bas, pas de jugement, mais je veux dire, ça va pas vraiment ensemble, c'est pas grave. Mais t'as deux items, mais ça vaut pas très cher, contrairement à une paire de shoes, de souliers qui va coûter 200-300$ avec les bas, là. Ça fait vraiment. Tu sais, je veux dire, t'as deux items dans chaque cas, mais le dollar par transaction est tellement différent. Là. Non, c'est ça. Mais je pense qu'aussi, il y a dépendamment aussi de la position que. Tu sais, je pense. La position que t'as dans l'entreprise, mettons le directeur des ventes comme tel, c'est un peu à lui à instaurer un genre d'esprit d'équipe, mais tu sais, dans toutes les compagnies que j'ai été, il y avait des compétitions, là, tu sais, le vendeur du mois, le ci, le ça, tu sais, c'est plus tough à avoir une culture d'esprit d'équipe quand t'as des compétitions comme ça, puis que tu veux la gagner parce que t'es compétitif, puis t'es comme ça, tu sais. Ouais. C'est ça. Puis tu sais, j'ai même déjà été dans une compagnie où est-ce que le boss de la compagnie c'était complètement l'inverse d'un joueur d'équipe, là. Okay, l'antithèse complètement, l'antéchrist du joueur d'équipe. tu fais pas avoir plus individualiste que ça, là. Fait que c'est un peu tough à ce moment-là aussi dans ce genre d'ambiance-là. Je pense que t'as 100% raison, là, que ça dépend vraiment de la culture d'entreprise. Mais moi, pour avoir été toujours dans des rôles de vente comme tel, j'ai pas connu vraiment autre chose, là. Fait que je sais pas vraiment j'imagine que dans d'autres départements, quand il y a des meetings, des brainstorms justement créatifs, ces choses-là, qu'il y a des équipes de production pis ces trucs-là, ben oui, le travail d'équipe est plus prôné. Ouais, mais tu sais, comme moi, je pense que j'en ai déjà parlé, puis je le ramène quand même parce que c'est pertinent dans le sujet aujourd'hui. Tu sais, moi, j'ai travaillé avec une entreprise dans les 10 dernières années qui était un de mes clients. Puis cette entreprise-là, tu sais, moi, j'étais sous-contractant. En fait, j'avais pas rapport, j'étais pas un employé salarié, mais tous les salariés de cette entreprise-là avaient des parts dans l'entreprise. Tout le monde. Que tu sois au niveau des ventes, au niveau du marketing, au niveau des ressources humaines, au niveau de peu importe, t'étais concierge, t'avais des parts aussi. Je veux dire, okay. Ça, c'est tous les niveaux de l'entreprise, tous les employés de l'entreprise avaient des parts non votantes, on s'entend. Puis, on appelle ça un peu des actions, c'est privilégié. Fait que t'as aucun droit de vote, t'as rien à dire, mais t'as une part dans l'entreprise si jamais il arrive de quoi. Puis à la fin de l'année, t'es inclus dans le partage des bénéfices. Les actions, c'est quoi, c'est type B? Là, ouais, je pense que oui, mais c'est ça, c'est privilégié. C'est pas privilégié, il me semble, c'est pas t'as des actions votantes, justement. Non, privilégié, c'est que t'es pas votant, puis si jamais ils décident de les convertir, tu passes de privilégié à action votante. C'est okay. Ça, privilégié. Fait que je pense que tu demeures juste dans le privilégié, puis ils sont jamais convertis. Donc, t'as aucun droit de vote, mais t'as des parts dans l'entreprise. OK, fait que t'as intérêt à ce que la compagnie aille bien. Puis, mais je peux me tromper, là. Je peux me tromper, mais sinon, je pense que catégorie B, oui, c'est probablement la meilleure façon de l'exprimer.
Donc, t'es là, t'as un actionnariat, mais t'as rien à dire dans les décisions. Sauf que, ce qui est cool, c'est qu'à la fin de l'année, si même si t'as pas eu un mois à dire dans les décisions, les bonnes décisions ont été prises, puis qu'il y a des bons revenus, des bons profits, ben t'as un chèque à la fin d'année à Noël avec tout le monde. Puis ça arrivait plus souvent qu'autrement, puis ce que ça faisait, moi ce que j'ai vu à ce niveau-là, puis je pense que WestJet aussi a le même un peu modèle. Tous les employés de WestJet, là, c'est sûr que ça va pas bien, mais ont des parts dans l'entreprise. Fait qu'à la fin de l'année, si l'entreprise aérienne de transport aérien WestJet performe bien, ben tout le monde a un petit chèque de plus dans son compte de banque à la fin de l'année. Ce qui est quand même pas pire. Fait que ça, c'est très. Tu sais, ça, c'est vraiment l'exemple le nec plus ultra. Attends, parce que j'ai googlé pendant qu'on checkait. Ouais. Les actions ordinaires, je pense, toi, tu parles. L'action privilégiée, c'est une coche au-dessus. OK, fait c'est bon. Fait que ordinaire. Ordinaire, t'as pas le droit de vote. Privilégié, t'as le droit de vote. Voilà, OK. Donc, merci beaucoup. J'ai permuté les deux. Merci de m'avoir amené à l'ordre. Voilà. Fait que ceci étant dit, tu sais, dans une culture d'entreprise où tout le monde participe au succès comme ça, je pense que ça amène un peu une dimension différente. Même les gens qui sont aux ventes regardent les employés du département d'à côté puis se disent, hey, lui en comptabilité, lui en ressources humaines, lui en marketing, puis lui qui fait le ménage, ben lui aussi a des parts autant que moi. Fait que tu sais, aussi bien que tout le monde travaille pour le même but commun puis que ça se passe bien. Là. Mais ça c'est très hot parce que je me rappelle, moi, dans des. J'ai déjà parlé aussi de compagnies où est-ce que les départements étaient comme séparés, pas sur le même plancher. Ouais. Tu sais que le bureau où moi j'étais, c'était que les ventes. Ouais. Il y avait 2-3 coordonnatrices, mais tout ce qui était réception, expédition, etc., de commandes, ça c'était dans le temps des photocopieurs, était dans un autre bureau. Puis c'était une bonne chose parce que c'est arrivé dans pratiquement toutes les compagnies où j'ai travaillé, où est-ce qu'il y avait tout le monde sur le même plancher. Puis, tu sais, c'était pas nécessairement des grosses compagnies tout le temps, mais tu sais, des compagnies, mettons, moyennes ou petites. Il y avait tout le temps un genre de sentiment d'injustice quand les représentants, puis tu sais, les représentants, c'était tout le temps eux le show sur le plancher. Quand eux autres, ils partaient plus tôt parce que, mettons, les chiffres étaient faits et tout, puis là, ben les autres se disaient, ouais, ben tu sais, c'est pas juste. Fait que souvent, ce qui se passait, c'est que les dirigeants voulaient que les représentants restent, mettons, aussi longtemps que tout le monde. Tu ne pouvais pas partir nécessairement plus tôt. Moi, je me suis toujours dit, ça n'a aucun sens parce que mes chiffres sont faits. Je vais rester, dans le fond, à rien faire juste pour bien paraître, pour pas. Ben, en fait, c'est peut-être pour ça que je suis pas un. T'es pas un joueur d'équipe. mais tu sais, en fait, quand je. Puis, je veux dire, en fait, les équipes où j'étais, tous les représentants devaient pas être des gros joueurs d'équipe parce que tout le monde chialait là-dessus que c'était comme crime. Ça n'a pas de bon sens, tu sais. Il y avait juste à être vendeur, à être représentant s'ils voulaient avoir des privilèges de partir plus tôt, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. C'est mon point. OK. Mais tu sais, écoute, il y a tellement de. Ah non, mais c'est ça, attends, excuse-moi. C'est ça que je voulais dire. Fait que le fait d'avoir justement une cote-part dans l'entreprise, ça peut justement éviter ce genre de choses-là, tu sais, parce que on s'entend, là, en ce moment, tout le monde est en télétravail, fait que personne ne le sait, tu sais, la coordonnatrice ou bien le chargé de projet ou bien le représentant, etc., tu sais, dans le fond, on sait pas vraiment combien d'heures ils font dans une journée. Là. Ouais, absolument. Puis avoir le monde d'un magasin la semaine tu sais, qui se promène sur la rue et tout, je te garantis qu'il y en a une couple qui prennent ce smoke. C'est sûr, mais tu sais, justement... Puis il y a tellement d'aussi bons exemples que de contre-exemples dans ce sujet-là, puis c'est vraiment intéressant qu'on s'en parle. Toi, t'es-tu un joueur d'équipe, en fait? Je ne l'ai même pas demandé. Oui, ben écoute, oui, beaucoup. Je vais t'amener une notion là-dedans, puis j'essaie de recaler la cassette, puis voir pourquoi je pense que je suis un joueur d'équipe, que je me suis développé, en fait, comme joueur d'équipe. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune, puis des sports d'équipe. OK. Ou, puis tu sais, ça dépend, puis je pense que ça dépend tout le temps du genre d'entraîneur que tu croises dans ton cheminement dans ta vie. Moi, j'ai joué au basket vraiment longtemps. Ça a été le sport dans lequel j'ai joué le plus. J'ai joué un peu au football, j'ai joué un peu au soccer, beaucoup au basket. Puis tu sais, il y a des entraîneurs qui te marquent, il y a des gens qui passent dans ta vie. Puis moi, j'étais pas celui, puis en fait, personne ne me voit, on est en podcast, mais je suis pas le plus grand. Là. Puis j'ai joué dans un très haut niveau au niveau du basketball, au niveau scolaire. Mais j'étais pas le joueur qui était le plus souvent sur le terrain parce que en termes de qualité physique, j'avais pas les mêmes qualités qu'un 6 pieds 5 ou un 6 pieds 6 grand qui avait tout ce qu'il fallait pour être un joueur dominant dans le sport. Mais je me débrouillais à d'autres niveaux. Sauf que justement, j'ai croisé des entraîneurs qui ont valorisé autant la personne qui va passer un peu plus de temps sur le banc
que celle qui va passer un peu plus de temps sur le terrain, en se disant, ben, on a un impact puis une importance qui est complètement égale dans l'équipe. Il n'y a pas de différence. Check, dans le temps, là, Steve Kerr, il me semble, il mesurait genre 5 pieds 8. Oui, quand il jouait avec les Bulls, avec les Michael Bulls, Jordan. Ouais. Ouais, puis, c'était un 3-point shooter, ça, mais il était... Absolument. Puis il a réussi à... Le monde se souvient... Tu te souviens encore de lui aujourd'hui. Pourtant, ça n'a pas été un joueur dominant, puis c'est pas lui qui a changé les games. Il a sûrement eu des matchs qui ont eu un petit peu plus d'importance que d'autres, puis il a eu un impact. Mais sinon, c'est pas lui. Je veux dire, c'était Michael Jordan, c'était Dennis Rodman, puis c'était Scottie Pippen. Qui faisait rouler la place, là, dans le fond, à Chicago. Mais tu te rappelles de gars comme Steve Kerr, parce qu'il était... Il y avait quelque chose qui était transcendant, pas juste au niveau de son impact sur le terrain, mais aussi à l'extérieur du terrain, puis sur le banc. Ouais, puis les Bulls, c'était mon team aussi, quand je jouais à New Jam, puis à tous ces jeux-là au Nintendo, puis tous les Bulls, là, je les ai toujours bien aimés. Ouais, puis je pense que ça a été l'équipe de tout le monde dans les années, fin des années 90, début des années 2000. Merci Jordan. Mais tu sais, c'est ça, fait que pour en revenir à... Moi, je me suis beaucoup développé comme un joueur d'équipe, j'ai tout le temps cru à... Ben, tu sais, il y en a qui ont un peu plus de talent que d'autres, il y en a qui sont un peu plus travaillants que d'autres, mais au final, si tout le monde travaille ensemble, le résultat va souvent... La mayonnaise va pogner. Tu sais, ou le gâteau va monter, ou tu peux mettre ça comme tu veux. Fait que ça m'a tout le temps amené à être comme ça. Puis, j'ai déjà... Puis, je te comptais ça avant qu'on enregistre, puis en préparation cette semaine, tu sais, j'ai déjà passé au cash pour à la place d'un employé qui avait fait de quoi de pas correct, parce que pour protéger l'intégrité de l'équipe, mettons. J'ai déjà fait ça. Tu sais, j'ai été dans les ventes. Je vais pas aller dans les détails, mais tu sais, j'ai travaillé dans une entreprise. J'étais plus jeune, là. C'est moins dans un parcours professionnel récent, mais tu sais, dans une équipe de travail, quelqu'un a fait une bourde, a fait une niaiserie qui a eu des effets quand même, tu sais, perceptibles, puis pas le fun pour personne. Et j'ai pris la faute sur moi parce que cette personne-là avait déjà eu une note à son dossier, puis je voulais pas qu'elle soit impactée parce que son apport au travail, malgré qu'elle ait eu des erreurs, tout ça était quand même important pour que tout se passe bien. Puis j'ai pris un hit au niveau des ventes. J'ai déjà laissé un client à quelqu'un d'autre que j'étais en train de closer parce que moi, mes chiffres allaient bien, mais je faisais partie d'une organisation où c'était les chiffres globaux qui avaient un impact sur la rémunération et les bonus. Fait que même si moi j'avais atteint mes objectifs, ce qui faisait que j'ai au moins sur papier, puis tu sais, dans mon évaluation, j'étais performant, puis j'avais accompli, au lieu de garder ça pour moi, puis parce que je voulais que tout le monde atteigne ses bonus, je laissais aller des clients à d'autres, puis je voulais qu'ils se développent avec ça. T'étais-tu capé sur la commission à ce moment-là? J'étais capé sur la commission au niveau du pourcentage, mais pas au niveau du dollar, par exemple. Okay. Fait que, tu sais, c'était quand même intéressant, là. Je veux dire, si elle réussissait, si tout le monde réussissait chez Chiffre, j'avais mon bonus. Puis, tu sais, ça n'empêchait pas que je pouvais aller chercher d'autres commandes avec mes clients existants. Mais un nouveau client que j'avais eu, qui m'avait été référé, je l'ai laissé aller à quelqu'un d'autre. Parce que je crois beaucoup à ça. Mais en même temps, tu sais, j'ai eu d'autres épisodes aussi un petit peu plus, un petit peu plus, mettons, égoïste dans ma vie. Où, tu sais, je pense qu'on en a toutes, puis c'est correct aussi. Mais grosso modo, je suis plus team player. Pour vrai, là, je suis plus de ce moule-là. Puis c'est le fun parce que je regardais, en fait, je cherchais cette semaine pour me préparer pour notre épisode aujourd'hui, puis des exemples de team players. J'en ai vraiment trouvé des intéressants, des super pertinents à partager. Puis surtout dans la dernière année, là, ça a amené plein de gens à un peu ressortir du lot, là. Comme des leaders qui sont très, très joueurs d'équipe. Là. Donc, tu sais, mettons l'exemple le plus criant, si tu veux que je commence avec un, qui est quand même assez incroyable, c'est les vêtements Columbia. Je sais pas si tu sais, vêtements d'extérieur, des manteaux, tout ça. Ouais. Très grosse compagnie, des gros chiffres d'affaires. Puis le CEO l'année passée, en avril, quand tout a commencé, la pandémie, lui, il faisait un salaire annuel, une rémunération complète annuelle, c'est-à-dire salaire de base plus avantages, donc, tu sais, mettons, des bonus, des actions, tout ça, de 3,3 millions par année. Puis en avril, il a émis un communiqué à tous ses employés en premier, puis il leur a dit que pour le bien-être de l'entreprise, puis pour sauver le plus d'emplois, il baissait sa rémunération totale de 3,3 millions à 10 000 $ pour l'année 2020. Tabarouette, OK. Fait que c'est une réduction de 3 290 000 $
quand même pas il si. Il devait en avoir un peu de placé, je pense. Il devait en avoir un peu de placé. Mais c'est fou quand tu vois ça. Quand même. Ben oui. Tu sais, je veux dire, en termes de pourcentage, c'est phénoménal, là, la réduction qui s'est imposée. C'est vraiment louable. Là. Moi, en tout cas, j'ai un exemple de quelqu'un que je connais qui n'aurait jamais fait ça. Ben, vas-y. Ça, c'est le contraire. Vas-y avec un contre-exemple. Non, ben rien. That's it. OK. Quelqu'un que je connais qui... OK, tu veux pas... Que jamais il aurait fait... Il aurait fait ça pour sauver ses employés. Là. OK. OK. Mais tu vois un autre exemple d'une compagnie très connue. En fait, je peux même te dire qu'il les a tous sacrés dehors par Zoom pendant au début de la pandémie. T'es-tu sérieux? Ouais. Ah, sais-tu c'est qui? Non. OK. On va s'en reparler parce qu'on fait pas de name dropping, c'est la politique de la maison. On rappelle ça à tout le monde. On fait jamais ça. Mais au moins, il les a tous mis dehors par Zoom. Ouais, c'est ça. Hey, c'est ce que j'ai entendu. Ça, c'est barbare. Oh là là. OK. Ouais. Bon. Puis après ça, ils les ont rappelés, puis il y en a qui sont retournés. J'en reviens pas. T'es-tu sérieux? Ouais. Wow. On pourrait... En tout cas, si jamais une de ces personnes-là nous écoute, écrivez-nous. On aimerait vous parler... On aimerait vous parler dans un prochain podcast, faire une entrevue. Wow. Ouais. On fera pas de name dropping, promis. Non. Oh là là. Mais... Fait que c'était le contre-exemple de ton gars de Columbia. Un autre exemple dans la même veine, tu sais, vraiment dans quelque chose au niveau de la pandémie, puis après ça, je vais m'éloigner un peu de ça pour parler d'autres exemples. Mais les fondateurs, les cofondateurs de Lyft sont deux. Lyft, c'est un peu comme le Uber, là, qui a été qui est une compagnie qui est compétitrice à Uber. Ben, c'est du transport, ça arrive ça, non? Non. Lyft, c'est une autre entreprise qui a été fondée en Californie. Puis ils font du Uber, là. C'est vraiment le compétiteur à Uber. Il y en a beaucoup à Toronto. Je n'ai même moins vu à Montréal. Je pense même que je n'ai pas vu à Montréal, mais dans mes derniers voyages à Toronto, il y avait beaucoup aussi de conducteurs, de chauffeurs Lyft. OK, c'est pas Lyft d'abord, mais il y avait le mot Lyft dans la compagnie que je parle, parce que je me rappelle, il y a une couple d'années, j'avais parlé à quelqu'un qui partait un genre de compagnie de transport. Okay. Puis, il semble qu'il y avait Lyft. OK. En tout cas, eux autres, c'est vraiment le compétiteur à Uber au niveau de l'Amérique du Nord, tout ça. Puis les deux cofondateurs, eux, l'année passée, ont décidé de ne pas prendre de salaire du tout. Aucune rémunération, puis de réinvestir l'argent à l'intérieur de l'entreprise pour compenser puis aider des conducteurs qui avaient de la difficulté à travers l'Amérique du Nord à joindre les deux bouts. Fait que ça, c'est un autre super bel exemple de gens qui prennent un hit, qui sont des joueurs d'équipe pour permettre au monde de s'en sortir. Mais sinon, pour s'éloigner un peu de l'exemple de la pandémie, je lisais un article vraiment intéressant, je suis tombé là-dessus. Tu connais-tu ça, Popeyes? Mais Popeyes, les... Les suppléments? Non, pas, non, c'est ça, non. Je savais que t'allais dire ça. Ah, tout le monde dit ça, mais parce que, puis je veux dire, moi, de par la force des choses, puis dans l'industrie dans laquelle j'ai évolué dans les dernières années, j'y connais beaucoup, mais Popeyes, le poulet frit, Louisiana Chicken, une chaîne de restaurants immense aux États-Unis. Je sais pas, ça me donne faim, puis je pense que j'ai déjà vu passer de quoi, genre Snoop Dogg qui avait fait un vidéo là-dessus sur Instagram, chose de même. Je pense que t'as raison. Ouais, t'as raison. Puis là, je pense que si je me trompe pas, je peux me tromper, sauf erreur, mais je pense que là, ça s'appelle Popeyes Louisiana Chicken. Ils sont en train d'amorcer une incursion au Canada aussi, avec pour élargir la chaîne de restaurants. Bref. Dans les années, à la fin des années 2000, début des années 2010, ça allait vraiment pas bien. La chaîne de restaurants Popeyes était vraiment axée sur un modèle de on veut des franchisés, ils payent le gros prix pour nous autres, on leur donne le minimum de services possible. Tu sais, juste basé sur notre notoriété d'entreprise, on leur fait croire que tout va être correct. Puis la chaîne allait vraiment, vraiment, vraiment mal. Et il y a eu un 180 qui a été fait complètement avec une nouvelle direction qui est rentrée et qui a mis tout le monde dehors dans la direction qui ne mettait pas de l'avant les franchisés et les employés. Ils ont complètement changé la culture d'entreprise en mettant après ça l'emphase sur l'importance des franchisés, leur donner le service qui leur revient, mettre de l'avant même les employés qui travaillaient dans les bureaux du siège social. Puis ça l'a fait que l'entreprise a amorcé une croissance fulgurante. Puis elle a été vendue à Restaurant Brands, qui a Burger King aussi, tout ça. OK, ouais. Il y a quelques années, pour 1,8 milliard. Fait que tu sais, juste en changeant le mindset, puis en changeant la façon dont ils traitaient les gens, puis de mettre l'avant les artisans de leur succès,
puis leur bonne tenue au niveau des profits, puis des revenus, tout ça. Ils ont complètement changé le visage de l'entreprise. Très hot. Ouais. Très cool. Puis un autre exemple, après ça, je vais te tomber dans un contre-exemple qui est absolument dégueulasse. Mais Tom Brady, tu sais, c'est vraiment plus au niveau sportif, mais je sais pas si tu as suivi un peu sa carrière depuis qu'il est parti des Patriots. Non, pas vraiment. J'avais commencé à regarder, je sais qu'il avait fait un documentaire sur Facebook, là, des petits épisodes juste avant le Super Bowl. Là. C'était genre une petite série, c'était comme des épisodes de 15 minutes, puis c'était sur lui, mais pas plus, là. OK. Mais tu sais, il était avec les Patriots, il a quitté l'équipe l'année passée, il a signé avec l'équipe de Tampa Bay, puis ils ont gagné cette année. Mais il a signé pour une fraction de son salaire en Nouvelle-Angleterre. Puis cette année encore, pour la prochaine saison, il a encore réduit son salaire pour s'assurer que l'équipe puisse signer les meilleurs joueurs possibles autour de lui pour gagner le championnat encore une fois. Ah ouais, j'ai pas vu ça, mais ouais. En tout cas. Ah, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, Tom Brady, je pense. Ouais, ça c'est sûr. Mais en termes de joueur d'équipe, tu sais, le gars accepte une réduction de salaire pour assurer le succès de son équipe. Il veut assurer son succès, moi je pense. Pas le succès de son équipe, il veut être sûr de gagner. Aussi, puis ça en même temps, on sait pas s'il y a des. Mais en même temps, c'est sûr, c'est un sportif de haut niveau. C'est sûr que le but, c'est de gagner. Tu sais, ça c'est comme quand ils disent l'important, c'est de participer, là. Une belle phrase de loser, ça. Ouais, absolument. T'es là pour gagner. T'es là pour gagner, là. C'est, je veux dire. Y a personne qui va dire, yé, je suis arrivé deuxième. C'est bien rare, bien rare que tu m'as entendu ça. C'est ça. Fait que non. Mais écoute, là, je vais m'a tombé dans le contre-exemple. Puis c'est drôle parce que je te disais tantôt, juste avant qu'on commence l'enregistrement, que l'exemple que j'avais, c'était justement une compagnie pour laquelle tu avais travaillé, ça se peut-tu? Pas celle-là. T'as pas travaillé pour Xerox? Non. Tu travaillais pour qui déjà? Canon, moi. Canon, OK, les photocopieurs. Mais en tout cas, c'est dans la même industrie. Alors, je te faisais part à quel point je trouvais que c'était des rats, les gens de l'industrie des photocopieuses. Je peux rester là longtemps. Ah, OK, c'est beau, c'est correct. Je te mais c'est vrai qu'il y en a, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Ah, écoute, puis cette histoire-là, elle est... c'est terrible. Puis tu sais, mais attends un peu, là, juste mettre en contexte, là, cette industrie-là, là, honnêtement, pour les... Tu sais, c'est... Une excellente école d'entrée pour n'importe qui veut aller dans les ventes, ça te forme, c'est comme sans bon sens, là, le nombre de développements qu'il faut que tu fasses à partir de rien. Puis en plus de ça, on s'entend-tu qu'un photocopieur dans une compagnie, c'est l'affaire que tout le monde se sac, personne ne veut en entendre parler. Puis s'il en entend parler, c'est parce qu'elle va pas bien. Puis il y a un problème, puis t'es jamais le bienvenu quand tu rentres dans... Tu sais, c'est rare que quelqu'un t'es là, hey, justement, le gars des copieurs, je t'attendais. Tu te fais revirer de bord comme 9 fois sur 10 pratiquement. Faut que t'ailles à quoi dur. T'apprends le rejet, t'apprends tout, là. Tu sais, c'est vraiment à la... L'humilité. Ah, c'est le bootcamp de la vente. No, ça, puis il y avait les pages jaunes aussi dans le temps, qui était quand même une bonne école, mais... Et sûrement les aspirateurs aussi, qui ont sûrement tout le temps été une bonne école. Ah ouais, probablement, mais tu sais, le photocopieur, là, c'est... Puis il n'y a pas plus compétitif comme domaine, t'es 100% commission pratiquement, là, avec un salaire de base là, très en dessous du seuil de la pauvreté, là. Fait que t'as besoin d'en vendre des copieurs si tu veux faire de l'argent. Il y a moyen d'en faire bien gros de l'argent, mais tu sais, faut que tu fasses des passe-passe, puis des ci, puis des ça, puis des fois, c'est genre très ligne grise, là. Sur ce, vas-y avec ton exemple. Mais donc, ce que tu me dis, si je comprends bien, c'est qu'on peut affirmer sans se tromper que le monde des photocopieurs et des imprimantes, c'est un monde vraiment pas de joueurs d'équipe, mais beaucoup plus de joueurs. Ben, tu sais, en fait, dans l'ordre des domaines, je pense, qui sont comme shady un peu, t'as les vendeurs de chars. Puis après ça, t'as les photocopieurs. Hey boy, mais d'après moi, ils se battent pour la première place à peu près à toi et moi, là. Ah, ça se peut. Puis avec la même ferveur de pas être un joueur d'équipe, les deux, chacun de leur côté, bien campés dans leur position. Hein. Mais t'as changé de char, toi, récemment. T'es-tu allé d'un dealer ou t'as acheté un particulier? J'étais allé dans un dealer, mais d'occasion, puis... Okay. Mais ça marche tout pareil. L'affaire qui est vraiment drôle. Tu sais comment ça fonctionne là-bas? Quand un client rentre, non, ils ont chacun leur tour pour aller voir un client. Oui, ça je sais, mais il était tout seul quand je suis rentré. C'était pas un Le chanceux, les autres étaient en lunch.
Mais je sais, écoute, je n'aimerais pas les bannières auxquelles je pense, mais ce que tu es en train de me dire là, il y a clairement des bannières qu'on connaît beaucoup au Québec dans la vente de véhicules usagés qui fonctionnent exactement comme tu dis là. Puis je pense que même les concessionnaires même neuf là. Ouais. Ben oui, neuf. Moi, j'achète tout le temps neuf. Ben, j'achète pas, je loue. Oh. Mais neuf, là, les dernières fois que je suis allé au concessionnaire neuf, c'est tout le temps ça. C'est comme... Ah, c'est le tour acquis, là. Tu sais, pis tes voix, mettons, il n'y a pas un chat dans le dealer, là. Pis là, tu rentres, pis t'es tout seul, pis là, ils sont comme 4-5 vendeurs cordés sur le côté, genre. Pis là, tu spots, là, comme c'est lequel, ok. Là, lui qui s'en vient, ah, ok, c'était à son tour, celui-là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est comme un peu injuste, je trouve. Ah, là, c'est drôle, on parle de ça, mais je trouve ça un peu injuste parce que, tu sais, ça se peut que tu pognes juste des voyeurs, tu sais, qui viennent voir, pis des kickers de tire, là, tu sais. Ouais. Mais, exactement. Genre. C'est comme un peu une question de chance, un petit peu, quand tu réussis à faire la... Parce que, tu sais, c'est pas un achat impulsif, là, un char, là. C'est quand même pas mal de milliers de dollars, là. Fait que, tu sais, c'est pas quelqu'un qui rentre, puis à cause de tes grands talents de vendeur, il close, là. La personne, quand elle rentre, elle hésite déjà, probablement, 2-3 modèles, tu sais, t'es juste chanceux si tu le close, là. Ouais, puis j'ai l'impression, en tout cas, puis là-dessus, je peux me tromper aussi, mais j'ai l'impression que dans ce type d'entreprise-là, dans cette culture-là, au niveau des concessionnaires, puis au niveau des manufacturiers automobiles, l'emphase est beaucoup mise sur l'individualité. Parce que tu vois souvent, mettons, il y en a un qui a remporté le prix du meilleur vendeur de l'année. Il est genre vendeur or chez tel type de concessionnaire. Tout ça. C'est pas. Puis je pense qu'il garde longtemps celle-là. Parce que moi, la dernière fois, la dernière fois que j'ai changé d'auto, le représentant, il était là, il avait sa carte. Puis j'ai changé en 2018. Okay. Il avait sa carte, genre vendeur platine. 2008, genre. Ah, ok, je pensais que c'était genre 1975, 1975. Non, là, je le check, il me donne sa carte, là, je suis là, ah, vendeur platine 2008, je dis, c'est passé quoi les 10 dernières années, là? Il l'a pas trouvé drôle. Ouais, mais en fait, pis c'est là, hey, ça, avant que je parte dans mon contre-exemple, là, ça me fait penser à quelque chose, quand t'es individuel comme ça, t'es-tu plus... Parce que, puis ce que tu dis là, je trouve que ça le traduit super bien. Le gars a été, mettons, meilleur vendeur en 2008. Quand tu as atteint, mettons, ce statut-là, parce que ça, on va le dire, mettons, comme un statut, tu as eu ton prix, tu as eu ta petite plaque, puis elle est affichée dans ton bureau, puis c'est inscrit sur ta carte d'affaires. Mais comment tu fais pour rester, je sais pas, compétitif, assoiffé de succès, de tout le temps vouloir être meilleur, puis meilleur? Ben, tu veux les collectionner? Hey, check, comme les agents d'immeubles, Remax, puis tout, à tous les années, ils ont les, je pense que ça s'appelle les Maximum, quelque chose de même, là. Ouais. C'est comme leur cérémonie qui... Qui récompense les meilleurs. Qui récompense les meilleurs crimes. Ben, en tout cas, dans ce domaine-là, agents d'immeubles, ça paraît quand même pas pire quand tu distribues je pogne la pile de flyers d'agents d'immeuble dans ma boîte à mal. Ouais, mais écoute, ils me disent tous que c'est meilleur, mais que celle-là, il y en a un qui c'est comme meilleur vendeur. Mais tu sais, ils ont tous déjà gagné le prix du meilleur vendeur de quelque chose, genre. C'est sûr, catégorie. Mais je pense que c'est important de garder en tête que les agents d'immeuble, c'est des travailleurs autonomes. Ouais, c'est vrai. Ben, ça pas toutes, là, en fait. Il y en a qui travaillent pour des équipes, là. Ouais, mais ils sont autonomes pareil, en termes de rémunération. Je sais pas s'ils leur donnent un salaire ou comment. Je pense pas. En tout cas, ça m'étonnerait. Je pense pas. Il y en a très peu encore qui sont sur ce modèle-là. Là où dans un concessionnaire auto, t'as quand même ta paye ta paye minimum d'assuré. Moi, j'ai connu quelqu'un qui était agent d'immeuble. S'il vendait pas de maison, il y avait pas d'argent qui rentrait, là. On s'entend, là. Ben, ouais, non, je le sais. Mon père a déjà été agent d'immeuble. OK. Mais effectivement, mais puis tu sais, faut que tu hustles, là, même juste, c'est quoi, je pense que c'était samedi ou dimanche, sur ma rue, il y a deux maisons qui se sont faites vendre, genre dans les deux derniers mois, mais comme des prix pas possibles. Ouais. Puis l'agent d'immeuble, elle a décidé qu'elle faisait tourner des maisons en fin de semaine, elle est venue cogner chez nous pour savoir si on était intéressé à vendre, mais tu sais, j'étais en train de refinancer la maison, j'ai des travaux à faire et tout ça. Mais tu sais, ils sont tellement, en tout cas, j'ai un peu de misère avec ça, la fille, tu sais, elle cogne, t'ouvre la porte, puis là, tu vois qu'elle check en dedans, genre, ah, c'est beau ton îlot, c'est beau la cuisine. Ouais. Tu sais, j'ai un bungalow, là, fait que tu vois dans la cuisine quand t'es en bas. C'est, ah, c'est beau, c'est comme crime. Je te connais pas, genre, tu viens cogner chez nous pour essayer de me muscler devant de ma maison, puis genre, tu sniffes en dedans pour. En tout cas. Mais c'est quoi le mot, tu sais, hustler, je pense que c'est le meilleur mot, mais c'est quoi la traduction de hustler, d'être un hustler, puis. Hustler, c'est quoi en français? Je sais pas. Un ambitieux, mais tu sais... Non, pas ambitieux. Pas ambitieux, c'est genre un peddler, là. Ouais, mais comme, ce peddler, c'est en anglais aussi. Ouais, je sais. Mais hustler...
Attends, là, je vais tout de suite aller sur Translate, puis on va, okay. on va en avoir... En tout cas, pendant que tu checks ça, tu sais, je veux juste... Je pense que c'est quand même important de faire la distinction entre, justement, les agents d'immeuble qui sont vraiment individualistes par définition, parce que, pour la plupart, c'est des micro-entreprises. Là. C'est toutes des micro-entreprises qui fonctionnent par silo, mais pour une organisation comme Remax, comme Royal Lepage, comme Sutton, comme toutes ces... Tu sais, ils sont sous l'égide d'un groupe parce que ça leur met... Ils ont des garanties, ils ont des assurances avec ça, mais dans les faits, ils travaillent à leur compte. Là où des vendeurs d'auto, il n'y en a pas un à son compte, puis... Non, c'est sûr. Je pense quand même que le vendeur dans le concessionnaire, une fois qu'il a eu son titre de meilleur vendeur une année, comment tu le fais pour le garder motivé? Parce qu'il y a ça aussi, il y a tout le principe de la motivation. T'sais, comment tu fais pour garder quelqu'un motivé après qu'il ait gagné son prix? Là? Il n'y a plus rien d'autre à aller chercher de plus après. Puis là, tu veux le garder motivé parce que c'est toi en tant que... Mais non, mais ils sont motivés par la commission. Là. Puis hustler, ça veut dire arnaqueur. Fait que c'est comme, c'est un peu fort comme traduction, je trouve. Là. Ouais. Parce que c'est pas des arnaqueurs, mais hustler, moi, c'est, je traduirais ça par quelqu'un qui est comme un peu... J'ai pas le mot qui vient, là, mais... Ben, qui pousse le bouchon, qui va fort pour réussir. Là. Ouais, c'est ça, qui est comme acharné, tu sais, ouais. un peu, je sais pas. En tout cas, bref, je trouve que ça fait un petit peu intrusif. Ouais. Ouais, bref. Mais pour revenir à tes autos, tu sais, l'affaire aussi, c'est que je connaissais du monde qui était dans ce domaine-là. Les commissions, pour vrai, les marges chez les autos sont tellement pas grosses qu'ils font pas beaucoup de commissions tant que ça. Là, mettons, tu travailles chez un... Des, à part si tu vends des modèles de luxe, là, mettons, mais tu travailles chez un Hyundai, Honda, Ford, whatever, des modèles que tu vois en majorité sur la route, les marges sont pas très grosses. Là, fait qu'ils font pas énormément de commissions quand ils vendent un auto. Là, c'est pas des milliers de dollars de commission comme on pourrait penser. Là, c'est peut-être un 500-600$. Non, puis en fait, quelqu'un qui... Puis moi, pour avoir connu des gens proche de moi, beaucoup qui ont étudié dans ce domaine-là en plus, c'est si quelqu'un... Si vous pensez qu'ils font de l'argent justement sans vendre d'auto, c'est pas ça. Un concessionnaire fait de l'argent sur la mécanique. C'est là où ils font vraiment beaucoup d'argent. Là. Exactement. Les pièces, puis les garanties, puis ils font de l'argent, ça n'a aucun sens. Puis tu sais, on s'entend, je pense que dans ce domaine-là, là, on dévie vraiment, là, mais je pense que dans ce domaine-là, la qualité d'un bon vendeur, c'est pas d'être vendeur, c'est d'offrir un service incroyable. Ouais. Tu sais, parce que quand même que tu me récites tous les specs du char que je m'en viens voir, je m'en fous. Tu sais, j'achète un char, je l'essaye, je l'aime-tu, je l'aime pas. Quand même que tu me vendes, like, tu sais, comme que tel bouton fait telle affaire ou whatever, tu sais, je vais vouloir l'acheter avec toi parce que je te trouve sympathique, que tu m'as offert un café, j'ai pas attendu 1000 ans, t'essayes pas de me bullshitter, t'es empathique, etc., tu sais, parce que sont tellement, des fois, là, sont tellement bizarres. J'ai un exemple à donner. Vas-y. Ma blonde a changé d'auto l'année passée ou il y a 2 ans. Elle avait une Mazda qui avait peut-être 10 ans, bref. Puis là, elle a changé aussi pour une Mazda. Fait qu'on est chez le dealer Mazda. Puis elle, son autre auto était payée déjà. C'est juste qu'elle a commencé à avoir un peu de raté. Puis elle était là, tu sais, je serais peut-être mieux de changer d'auto pour en avoir une plus récente. Avec la gangrène, pas une pour de vrai. Puis c'est ça coûte trop cher. Ouais. Exact. Fait que là, la fille qui nous sert, tout ça, bien gentille, tout, là. On va faire un test drive avec l'auto, tout va bien, c'est le fun. Et là, bon, ben, tu sais, moi, dans le fond, je vous laisserai mon ancienne auto au concessionnaire en échange, là, tu sais, dans le fond, réduit le prix de la location, whatever. Fait que là, parfait, tu sais, je vais dire au mécano qui aille faire un test routier avec ton auto pour voir, tu sais, y a-tu des affaires flagrantes ou whatever à changer, puis après ça, je vais pouvoir te donner une évaluation du prix de ton auto. Comme ils font tout le temps, d'habitude. Mm. Fait que parfait, nous autres, on est là. La fille super fine, nous offre du café et tout. Bon, bref, le gars, il s'en va, il fait un tour de char avec l'auto à ma blonde. Il revient. Là, la vendeuse, elle arrive dans le bureau. Puis là, ouais. Mais là, c'est ça, là, tu sais, on pourra pas te donner tant que ça, là. Mon mécano, il vient de me dire que la clutch était à changer, là, est finie. Là, je check la fille, tu sais. Puis je l'ai pas dit au début parce que je me gardais cette punch-là pour la fin. Ma blonde venait de faire mettre une clutch neuve 2 semaines avant. Okay. Parce que c'était la dernière affaire qui venait de péter sur son auto, genre, fait que je check la fille, puis je le, tu sais que de toutes les pièces qu'il y a sur un char, tu viens de me nommer celle qui est neuve de 2 semaines.
Et là, ah oh ouais, mais là, là, c'est ça. Fait que merci, on va faire un bout, nous autres, ça va être correct. Finalement, on n'a pas acheté l'autre. Un autre concessionnaire où on t'sais? Va être pris plus au sérieux. Incroyable. C'est ça. Fait que, je l'ai trouvé bien bonne, celle-là, quand elle nous avait dit ça. J'étais comme vraiment sous le choc, tu sais. La fille est vraiment tombée sur la mauvaise pièce. Tu m'aurais dit, les freins sont finis, whatever, le catalyseur, peu importe, name it la pièce, là. Mais la clutch était neuve. Mais tu sais, je vais te ramener ça un peu, hein, parce que clairement, cette personne-là, puis on ramène ça là, à tout le concept d'esprit d'équipe, puis de travailler en équipe, puis de voir. Tu sais, elle, de probablement essayer de jouer sur le prix de la voiture qu'elle donnait, va aller sûrement avoir un impact sur sa commission à elle, ben, c'est là, sûr. Individuellement. C'est sûr. Là où, tu mettons, tu avais, tu sais, puis c'est sûr là, qu'ils ont leur façon de fonctionner depuis tellement d'années, les concessionnaires, puis c'est comme ça, mais là où peut-être tu as une culture un petit peu plus d'équipe, où le résultat global de tout le monde est pris en compte avant l'attribution des bonus, avant l'attribution des commissions et tout ça, ça peut avoir un impact de dire, ben tu sais, si collectivement on donne tout un bon service à notre clientèle, puis qu'on est un peu plus, tu sais, plus honnête, plus transparent, plus intègre, puis il y a plus de gens parce qu'il y a du bouche à oreille qui se fait, puis à long terme, on va avoir plus de clients, plus de trafic, on va vendre plus d'auto, nos commissions vont être meilleures, nos bonus vont être meilleurs. Ça peut être très bénéfique à long terme. C'est juste que ces entreprises-là, en fait, je pense que ce que je vois... Je sais pas c'est quoi le taux de rétention, tu sais, quelqu'un qui travaille dans ça, est-ce qu'il change de concessionnaire souvent? Ben oui, ouais. C'est fou, là, moi, ce que j'ai vu dans ce domaine-là. Mais ce que j'allais dire, c'est j'ai l'impression que les entreprises qui mettent de l'avant le concept d'individualité sont moins ancrées dans une vision long terme que des entreprises qui ont une vision un peu plus globale puis de travail d'équipe. Ben, je pense que t'as raison, mais tu sais, on s'entend que le concessionnaire, il va tout le temps, tu sais, même si lui, il prône, tu sais, faut que tu fasses tes chiffres, etc., puis que, mettons, t'as le vendeur qui fait pas la job, ben, il va en avoir un autre vendeur qui va venir, puis tu sais, les concessionnaires, tout le monde a besoin d'auto dans la vie, puis au pire, il va réussir à vendre son concessionnaire au gros prix. Ouais. Tandis que dans une plus petite compagnie, mettons, ou dans une grande compagnie, peu importe, où est-ce que tu as une culture d'entreprise qui prône justement le travail d'équipe, l'objectif, c'est de garder tes employés longtemps. Parce que ça coûte cher engager un employé. Faut que tu le formes, faut que tu dépenses pour des kits de bienvenue, peu importe, là, ça coûte de l'argent engager un employé. Tu veux le garder le plus longtemps possible, puis tu veux qu'il soit heureux le plus longtemps possible. Fait que, mais je pense que, honnêtement, je pense que d'être parti à mon compte, ça m'a vraiment fait réaliser tout cet envers de médaille-là, même si, tu sais, j'ai pas d'employés sur le payroll, mais j'ai des sous-traitants, puis de la manière que t'es traite, je pense que ça fait qu'ils ont le goût de travailler avec toi. Tu sais, moi, j'ai un sous-traitant, je travaille, qui m'envoie sa facture, je le paye dans minutes que je reçois la facture, pratiquement. Ouais. Tu sais, parce que je veux qu'ils se disent, « Hey, c'est le fun de travailler avec lui, tu sais, je fais du bon travail. » Puis je l'encourage aussi, tu sais, mettons que j'en ai une, là, j'ai une adjointe virtuelle, dans le fond, elle me fait elle m'aide dans plusieurs aspects. Puis j'y dis quand t'as fait du bon travail, puis je veux qu'elle se sente bien, puis qu'elle se sente valorisée, puis qu'elle ait le goût de travailler avec moi. Puis ce que ça fait, c'est qu'à chaque fois que je vais lui demander de produire de quoi pour moi, ça va être bien fait. Puis j'ai rien à dire. Tu sais, des fois, oui, une petite correction par-ci, par-là, puis hey, j'ai révisé ça, j'irai plus comme ça, mais toujours positif. Puis elle m'envoie sa facture, j'y la paye dans minutes. Parce que j'ai pas le goût qu'elle me court après, puis que tu sais que t'as pas le goût qu'un fournisseur à un moment donné il arrive puis qu'il te dise hey, ma dernière facture tu penses ça à payer bientôt, tu sais. Je trouve ça poche un peu. Fait que, ouais. Puis avec raison, mais tu sais, je pense que ça c'est... en fait tu t'exprimes vraiment que quand tu travailles en équipe, t'es pas mal plus fort que si tu travailles individuellement. Ouais, c'est ça. Je pense que ma mentalité a vraiment changé depuis que je suis parti à mon compte. J'ai beaucoup un aspect de je veux aider. Tu sais, j'ai vraiment, vraiment, vraiment à cœur le succès de mes clients. Ouais. Tu sais, ça a de l'air vendeur de dire ça et tout, mais c'est vrai. Puis comment je peux prouver que c'est vrai, c'est que j'ai pratiquement, tu sais, oui, je gagne des nouveaux clients de temps en temps par des références et tout, mais justement, j'ai des références. Puis depuis que j'ai commencé à mon compte, j'ai les mêmes clients. Tu sais, quand je prends un nouveau client, il reste avec moi longtemps. Ouais. Ça fait juste ça va faire trois ans, mais quand même 3 ans, comme il y a bien du monde que des clients, ça dure 3, tu sais, on signe un contrat de 3 mois, puis dans 3 mois, ben, c'était le fun, c'est fini, tu sais, ça m'arrive pas vraiment. Je touche du bois,
Mais je pense que j'ai développé un... Puis je pense que les clients le sentent, tu sais, que j'ai vraiment la motivation de les aider. Puis que je suis pas juste là pour ma facture à la fin du mois. Ouais. J'en donne beaucoup de gratuité. Puis fait que tu m'as demandé tantôt si je suis un joueur d'équipe. Je pense que je suis devenu un joueur d'équipe. OK, donc je vais... Puis ça m'amène à te poser la question. Qu'est-ce que tu penses que ça changerait, que ça pourrait changer si tu retournais en entreprise demain matin? Je pense que je serais vraiment plus... Autrement dit, serais-tu moins rat? Ouais. Mais pour vrai, je pense que ouais. Puis je pense que j'aurais plus un détachement de... Comment je pourrais bien dire ça? J'aurais vraiment plus un détachement du fait d'atteindre... Tu sais, oui, ça serait important toujours d'atteindre mes objectifs et tout, mais j'aurais plus un détachement, puis j'aurais plus tendance à aider les autres en me disant « Hey, regarde, si jamais ça fait pas ici, là, ben, j'ai été capable de partir une business puis de la faire rouler pendant ce temps-là. Je vais être capable au pire de refaire cette affaire-là deux fois. J'ai développé une genre d'intelligence business, si tu veux, que ouais. je vais être capable de m'en sortir, tu sais. Compagnie-là, mais j'irai ailleurs au pire. Puis j'ai l'impression aussi une genre d'intelligence émotionnelle. Genre ouais. restant très groundé business, mais avec un côté human aussi qui se développe avec ça. Hein. Puis tu sais, il y en a beaucoup là, tu sais, que tu vois que tu sais, en fait, ça reste encore le ce qui est important, c'est le chèque puis la facture puis etc. Tu sais, ouais. c'est pour ça moi que à Star tous mes clients c'est des retainers mensuels. Tu sais, il y en a que oui, on met un tu sais comme exemple sans rentrer dans les détails, mais vous autres on dit ah, c'est un nombre d'heures à tel taux horaire puis tout ça. Ouais. Mais la vérité c'est que c'est pas un nombre d'heures. Tu sais, on s'est juste entendu sur un retainer à un taux horaire avec un nombre d'heures puis ça faisait un montant fixe par semaine. Mais la réalité c'est qu'il y a des semaines j'en mets beaucoup plus, il y a des semaines j'en mets un peu moins, mais je vais toujours vouloir en donner plus parce que moi mon objectif c'est que ça marche puis que je traîne mes clients longtemps avec moi. Fait que j'ai pas personne que c'est ah oh, je te charge tant de l'heure puis mettons c'est 4 heures puis après 4 heures ben je fais plus rien, tu sais, parce que t'as épuisé ton 4 heures. Ouais. Non, parce que c'est toute chose étant égale par ailleurs, puis on pourrait en parler dans un autre podcast, mais tu sais, c'est là où tu as des entreprises qui sont success-oriented, puis d'autres qui le sont moins aussi. Tu sais, nous autres, c'est le succès qui va définir nos partenariats, la façon dont on travaille, puis tout ça. Puis les gens avec qui qu'on va s'entourer. T'sais, nous, on est beaucoup comme ça, mais ça, je veux dire, c'est de la culture d'entreprise. C'est pas toutes les compagnies qui sont comme ça, mais tu sais, moi, c'est le genre, comme, travailler avec vous, mais tu sais, tous mes clients ont un peu le même style que vous autres, tu sais, c'est tout du monde avec qui je m'entends ultra bien, puis que j'ai le goût de travailler avec, parce que c'est sûr que, je veux dire, je suis pas parti à mon compte, puis j'ai pas ma compagnie. Tu sais, c'est sûr, au début, je prenais un peu n'importe quoi, mais là, j'ai plus le luxe de choisir un peu, fait que j'aime aussi bien travailler avec du monde avec qui je m'entends bien, puis que j'ai du fun à le faire, que tu sais, parce que je veux dire, c'est ça que je fais dans la vie. Fait que quand tu travailles pour quelqu'un, t'as pas trop le choix nécessairement des clients, puis c'est un peu plus dur de dire à ton boss, hey, ce client-là, je le flush. Ouais, je veux pas travailler avec, il m'énerve. Ça passerait dans aucune organisation. Aucune, fait que tu sais, c'est ça, exact. Mais je trouve ce que je trouve cool, c'est que dans la discussion d'aujourd'hui, tout le cheminement que t'as fait, c'est comme une thérapie qu'on fait. On a déterminé que finalement, j'étais peut-être un joueur d'équipe. Ouais, puis tu t'es rendu compte que t'étais rendu une meilleure personne, puis c'est extraordinaire. Ça me touche beaucoup, Marc-Antoine. Ça va faire 120$, mais j'avais... Oui, vas-y. C'était à me charger une thérapie. Ouais, une thérapie, ben ouais, t'es sur le sofa, là, puis on... Non, mais attends, parce que je me rends compte que dans tout ça, tu nous as jamais dit l'histoire de la fille d'Exélix. Hey, non, mais oui, puis ça, c'est... la chose à ne pas faire dans la vie. En terminant, là. Oui, mais en terminant, j'ai deux derniers petits exemples, mais celui-là, il est je vais dire dégueulasse, parce que pour vrai, j'ai pas d'autres mots qui me viennent en tête, OK? Mais la présidente, chef de direction de Xerox, il y a une dizaine d'années, son nom, c'était Ursula Burns. C'était pas une Afro-Américaine, mais c'est une vraie Afrique amitié, je veux dire, qui venait d'Afrique du Sud, là, une Sud-Africaine. Ursula Burns, j'ai cherché longtemps. Bref, son arrivée avait été vraiment vue comme une bouffée d'air fraîche. Là. Puis c'est vrai qu'elle avait, tu sais, une femme noire qui arrive avec une nouvelle philosophie, une nouvelle mentalité. Toutes les promesses étaient permises là, dans le fond. Tous les espoirs étaient permis, je veux dire. Ouais, ouais. Puis un de ses fers de lance ou genre de ses gros projets, c'était de faire l'acquisition d'une entreprise qui s'appelait ACS. OK?
Puis elle l'a fait, elle a mené cette acquisition-là à terme, ça l'a coûté 6,4 milliards de dollars. Okay? Et rapidement, cette transaction-là qu'elle a fait au détriment même de gens qui lui conseillaient de pas aller de l'avant avec ça, puis que c'était risqué, puis que surtout quand ça a été, quand il était rendu à la finalité de la transaction au niveau des dollars, puis du montant de la transaction, c'était vraiment, on lui disait de pas faire ça, et elle a quand même avalisé la transaction à 6,4 milliards, et ça a été un flop monumental qui a jamais profité à la compagnie Xerox. 6,4 milliards. Milliards de dollars. Mais c'est quoi le chef d'affaires de Xerox? Ben écoute, il faudrait vérifier le 10 ans. Mais ce qui est fou dans cette histoire-là, c'est que, tu sais, on sait que dans une entreprise, surtout une entreprise comme Xerox, qui est une compagnie cotée publique, où la colonne des revenus et la colonne des dépenses est vraiment importante pour que ce soit positif à la fin de l'année. Je connais quelqu'un comme ça qu'on a pas, mais si jamais il nous écoute, salut! Salut, on pense à toi, mais c'est pour que le balance sheet, en fait, fasse du sens à la fin de l'année. Dans les 12 premiers mois de cette transaction-là, elle a slacké 500 personnes au siège social de l'entreprise pour baisser la colonne des dépenses. Aïe, aïe, aïe. Ça a été documenté, prouvé. Au début, ça a commencé avec 180, puis ça a culminé autour de 500 personnes qui avaient été remerciées dans cette année-là pour diminuer les dépenses le plus possible pour que finalement l'impact très négatif de cette transaction-là apparaisse au dossier, pas au dossier, mais dans les résultats financiers de l'entreprise. Aux états financiers, exact. Wow. Fait que ça, c'est pas un team player. Non, ça, c'est en fait, elle a essayé juste d'éviter de se faire sacrer dehors si le poteau rose était découvert. D'après moi, elle est plus là. Elle a eu un sursis de 2 ans après ça. Ça a pas duré plus que 2 ans, puis elle a été remerciée, elle aussi, pour ses, pas pour ses bons services, mais pour avoir été là. Merci d'avoir été là, félicitations pour votre beau programme. Hey, dans le fond, quand je reviens à la définition de hustler arnaqueur, on peut penser à Bernard Madoff, qui est décédé d'ailleurs la semaine dernière. Écoute, d'ailleurs, ça c'est une autre affaire. J'ai une histoire par rapport à Bernard Madoff, mais là j'ai pas pris ça en note, mais je me rappelle d'un propriétaire d'une équipe sportive aux États-Unis. Si je me trompe pas, c'est les Jets de New York, l'équipe de football, qui dans les années de Bernard Madoff était proche de lui, puis avait décidé volontairement d'investir de l'argent puis de réduire le salaire des employés de son organisation. Oui, ça, parce qu'il s'était fait promettre de faire des profits faramineux avec le super Ponzi scheme de Bernard Madoff. Incroyable. Honnêtement, ça, là, par exemple, j'ai de la misère à comprendre techniquement tout ce que ça implique un Ponzi scheme. Ah, et on en parlera dans un autre podcast. En fait, on invitera un conseiller financier, en fait, j'en connais, qui pourrait nous parler de ça, toutes ces affaires-là, de pyramides et tout. Mais sinon... Ça m'intrigue, c'est quand même assez... Est-ce que Vincent Lacroix, c'était ça aussi? Ouais, c'était non, non, c'était pas ça, c'était un délit d'initié. Non, Vincent Lacroix avec Norbeau aussi, il prenait de l'argent frais des investisseurs pour rembourser les anciens investisseurs. Puis C'est ça, Pondy, c'est ça. C'est que Pondy, tu prends des investisseurs dans le fond qui... Tu prends l'argent frais pour rembourser ceux qui veulent sortir. C'est ça, exact. Puis ça, ben, ça ne fonctionne pas. Sinon, Marc-Antoine, en terminant, j'ai tué mon affection toute particulière pour les questions religieuses. Et mon dernier exemple de joueur d'équipe, je le donne au petit Jésus qui s'est fait crucifier pour éviter... Pour le team! Pour le team! Il s'est fait crucifier pour son équipe d'auteurs. Son équipe de 12. Ouais, puis c'était son équipe de 12 auteurs qui allait publier un peu plus tard sa biographie qui s'appelle Le Nouveau Testament. Donc, on salue le petit Jésus qui est un joueur d'équipe. Sinon, à contrario... Lui, j'avoue que c'est sacrifié pour l'équipe sur un moyen temps. Vraiment. Mais puis sinon, en plus, dans son équipe, il y en a un qui était vraiment pas un joueur d'équipe, puis il s'appelle Zaché. Il l'a trahi pour... Non, c'est Judas. Zaché, ça, c'était le gars dans l'arbre. C'était raison, parce que Judas... Zaché, c'était le gars qui voyait plus dans l'arbre. Exact, t'as raison. Hey, tu connais ton petit... je connais mon Jésus. Wow. Excellent. Mais Judas... C'était Paul qui a pas long, là. Jésus de Nazareth, ça joue à tous les années depuis que j'ai 4 ans. Ici, Radio-Canada, pour ne pas les nommer. Oui, c'est ça. Mais, toujours aussi bon, ce film-là. Absolument. Toujours d'actualité. Mais oui, Judas, qui lui n'est pas un joueur d'équipe et qui a trahi son petit Jésus pour se sauver de la mort, en fait.
Avec ça, là, les snitchs, ça pourrait faire un autre bon sujet. Ah, oh, mon Dieu, oui. Les rapporteurs d'un compagnie. Fatigués, je le note. Les licheux de boss. Là. Oui! Hey, on parle de ça. Puis on va inviter un licheux comme invité pour venir nous parler de ça. Ah ouais. Tout le monde les haït, ceux-là. Ouais. Ils sont tellement gossés. Anyways. Yes! Un autre sujet. Hey, c'était le fun. C'était bon. À toutes les... Puis... On pourrait aussi un moment donné faire un épisode sur comment qu'on prépare les podcasts. On n'aurait pas long à dire parce qu'on se prépare la veille, on sait de quoi qu'on parle. Je sais pas si ça paraît, mais bref, nous, on a du fun. Ouais, non, pis c'est tout le temps de laisser beaucoup d'ouverture à l'improvisation et de rebondir sur les sujets qu'on a. Mais effectivement, je propose qu'on parle de notre organisation des podcasts après qu'on ait commencé à faire des meetings de préparation. Comme ça, ben exact. On va témoigner de notre cheminement. Ouais. C'est ça. Écrivez-nous donc. Oui. entre2martini@gmail.com, tout en lettres, pas compliqué. Yes. Puis suivez-nous sur YouTube. Ben, on voit que ça commence à avoir un peu plus de following sur nos plateformes. Ouais. Donc YouTube, Spotify, Apple Podcasts et SoundCloud. Puis sur Apple Podcasts, si vous pouvez laisser un petit review si vous aimez ça. Les petites étoiles, c'est toujours bon pour la cote du podcast entre deux martinis. Yes. Donc, sinon aussi sur Twitter, @2martinis. Fait que sur ce, je sais pas, Tristan, avais-tu un mot de la fin après qu'on ait parlé de Jésus? Judas, parce que je me suis trompé entre Zachée puis Judas, puis j'en suis terriblement confus. Hein. Impardonnable. Impardonnable. Fait que sur ce, on va vous souhaiter un excellent 5 à 7 et bon martini. Puis on se revoit la semaine prochaine. Bonne semaine, Marc.